tous, bienvenue sur ce troisième numéro de HP Hour. On est ravis de vous retrouver pour cette troisième édition. Alors cette semaine, comme chroniqueur à l'affiche, nous avons le journal décalé de Saturnin. Mais nous retrouverons aussi Mondine pour une chronique sur le cubisme. Et enfin, la sportive du groupe, Elena, qui nous parlera de boxe française. Vous êtes prêts? Allez, on y va. Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver sur le plateau de HP Hour. Bonjour les chroniqueurs. Coucou. Comment ça va? Super, écoute, génial. C'est super. Alors cette semaine, le tirage au sort a élu, vous le savez, trois chroniqueurs qui tournent à chaque fois. Donc, Mondine, cette semaine, pour notre chronique. Monsieur Saturnin. Et la sportive du groupe, vous le savez, Elena. Bienvenue, Elena. Alors on est ravis de vous retrouver, je l'ai déjà dit, mais en même temps quand on aime... On ne compte pas. Merci les amis. Alors vous le savez, aujourd'hui on fait juste une petite parenthèse parce que c'est le 1er décembre, journée... Du... Et la personne ne me suit, mondiale de lutte contre le sida. Donc n'hésitez pas à arborer le petit symbole que nous on a oublié parce qu'on est des brels. mais on soutient quand même cette lutte, vous le savez, et il est temps que ça s'arrête. On va commencer justement par les nouvelles, par ta rubrique, dont tu vas nous rappeler le nom, parce que j'ai un petit peu... C'est toute l'actu locale qui n'arrivera jamais. C'est parti, c'est la rubrique de Saturnin. Allez, donc, après ce petit jingle, c'est la rubrique de Saturnin, qui s'y présente dans toute l'actu locale, qui n'arrivera jamais, celle que vous ne connaîtrez jamais, car elle n'existera jamais. Enfin, peut-être. Tu me coupes l'herbe sous les pieds, petit homme de bois. Merci Steve, bonjour à toutes, bonjour à tous. Voici les titres de votre actualité locale, nationale et internationale qui n'existe pas. On commence avec le référendum en Écosse. Vous le savez, au mois de septembre dernier, un référendum a été effectué pour voter pour ou contre son indépendance avec l'Angleterre. Le non étant passé pour contrer cet échec, un nouveau référendum va avoir lieu afin de voter pour ou contre le rattachement du pays, l'Écosse, à la Bigorre. Les Écossais, très friands de foie gras et de madiran, sont prêts à adapter l'accent bigourdan à leur propre accent afin de se fondre dans la masse graisseuse du canard. Allez, Saturnin, un retour à présent sur le dossier de la rédaction. Oui, tout à fait, le dossier chaud de la rédaction, le dossier spécial Station Mir, comme nous l'évoquions il y a 15 jours. Nous en parlions donc il y a 15 jours, pour rappel. Les récentes révélations de la NASA nous apprennent que la célèbre station spatiale, censée avoir été détruite le 23 mars 2001, n'a pas réellement été détruite. Les images de destruction de la station qui nous étaient parvenues cette année-là était en réalité tirée du célèbre film Catastrophe Armageddon. La rédaction de HP Hour s'est donc mobilisée pour en savoir plus et nous avons découvert en exclusivité pour vous une théorie qui pourrait bien être la cruelle mais vraie vérité. Notre équipe de reporters infiltrés est partie à la recherche de la vérité donc. Et voici ce qu'elle a découvert. Depuis 2001, la station Mir était et est toujours à la vue de tous, plus ou moins bien caché, non loin du périphérique toulousain, dans une ville qui viendrait des étoiles, nommée plus communément Cité de l'Espace. Si vous voulez en avoir le cœur net, vous pouvez vous-même aller la contempler, elle se situe à côté d'une fusée Ariane, prête au décollage sur sa rampe de lancement. Cependant, eh oui, nos reporters ont trouvé une autre théorie, plus perfide encore, et elle est sur le point d'éclater. Nous vous tiendrons bien entendu informés de l'évolution de la situation. On parle technologie à présent, Saturnin, avec la sortie annoncée du nouveau produit phare d'Apple, l'iPhone 7. Oui, tout à fait, on n'arrête pas le progrès, Steve. L'iPhone 6 a même sorti. C'est au tour de l'iPhone 7 de pointer le bout de son nez. Il sera disponible dans votre Apple Store tarbé qui n'existe pas pour les fêtes de fin d'année. Et les Apple addicts parlent d'une véritable revolution. En effet, en plus d'un flash automatique incorporé à l'appareil photo, votre smartphone sera livré avec une rallonge électrique de 20 mètres afin de pouvoir téléphoner sans craindre que votre batterie ne vous lâche au bout de 10 minutes de conversation. Il ne vous restera plus qu'à trouver une prise électrique disponible dans la rue. On n'avait pas vu ça depuis l'invention du téléphone fixe. Ils sont vraiment forts chez Apple, Steve. Tout à fait, on passe à présent à la rubrique préférée de mon ami Elena, la page sport. Oui, tout à fait. Plus particulièrement, page spéciale rugby, amis du Sud-Ouest, où un drame
a été évité de justesse lors de la dernière rencontre du TARB Pyrénées Rugby, le TPR, face à la section paloise. En effet, plusieurs rugbymen lancés à vive allure ont, semble-t-il, dérangé un groupe de supporters venus pour se faire remarquer par les caméras de François Sud qui diffusaient la rencontre. Je vous explique. Le groupe de supporters, qui avait fait le déplacement depuis la petite bourgade de Ginsac pour venir saluer les caméras de France Télévisions, nous ont raconté sa mésaventure. Tous affirment être choqués du comportement des joueurs, qui couraient apparemment sur le terrain de rugby. L'un des supporters, que nous appellerons Michel pour préserver son anonymat, nous raconte. Je cite « J'ai manqué d'être plaqué par un joueur alors que je tentais de courir au milieu de la pelouse durant le match, avec mon slip sur la tête. » D'autres n'ont pas caché leur colère. On a attendu plus de 2 heures, au froid dans les gradins, que France 3 prenne l'antenne, et tout est gâché par une bande d'inconscients. Le staff du TPR parle, quant à lui, d'un regrettable accident. Je cite « À l'avenir, nous fermerons les vestiaires à clé afin que les joueurs n'en sortent pas et que les supporters puissent s'exprimer librement devant les caméras », nous a expliqué Christian Paul, président du club TARB. À présent, il est à espérer, mon cher Steve, que cette histoire fera bouger les consciences et qu'elle servira de leçon pour tous les clubs sportifs. Très bien, on termine cette édition avec Le Monde en 3 images. C'était Le Monde en 3 images. Merci, Saturnin. Merci, Steve. Les filles, à vous dire tout. Oh, voilà, magnifique. Mais quel succès. C'est énorme. Voilà. Je suis perdu dans mon conducteur. Alors, on continue avec la rubrique de Mondine. On va pas s'arrêter en si bon chemin. Alors, tu étais venu, Mondine, pour la première émission, si vous vous rappelez, amis internautes, nous parler du tri sélectif. Oui, avec le bac jaune. C'est ça, tout le monde s'en rappelle. Alors cette semaine, de quoi parle-t-on avec toi? Alors on va bien enchaîner puisque après la récupération créative, on part sur le mouvement artistique du cubisme. C'est magnifique, j'ai envie de dire, on y va. Allez. C'est parti les gars. Ouais. Allez, oui. Je vous en prie. J'ai déjà fait, voilà. Merci beaucoup. Non, puisque les grains sont trop grands. Ok, d'accord. Tant pis. Je vais vous faire un entrée naturelle. Alors, on écoute, qu'est-ce que c'est Alors, nous avons fait une petite halte créative dans le bac jaune. Je rappelle celui qui recycle. Il me paraissait donc essentiel de parler d'un grand maître. Que dis-je? D'un grand maître. Vous avez tous deviné. Ah! Pablo Picasso! Oui! Mais oui, Pablo Picasso! Voulant casser son image de peintre séducteur, avec son pote Georges Braque, ils inventent le mouvement du cubisme. Par la fragmentation des formes et des lignes. C'est énorme. C'est une bouteille. Je suis très ému. Les volumes éclatent, rentrent en vibration. Il n'y a plus de fond ni de forme. C'est un véritable fond de poubelle. Face à cette perte de réel, à ce chaos, il décide d'introduire du papier peint. Du papier journal. Des lettres. Je dis. Toi, Prends-en un cadre. C'est ça, non, ça. Non, mais reste, ça, ça fait un peu les daltons. D'accord, ok. Donc, on était sur le moi. Donc, les matériaux vulgaires. Oh, écoute, je ne te permets pas. J'entre dans un espace noble. Nous sommes en 1912, grâce à sa nature morte à la chaise canée. La chaise. Elle est complètement canée. C'est pour faire caca? Mais c'est un peu ça. D'accord. Pablo Picasso marque une étape décisive dans l'histoire de l'art moderne. Mais c'est quoi cette étape? Mais il libère la peinture. Cette machine infernale qui ne cessera de repousser les limites de celle-ci. Car le concept artistique devient plus important que le savoir-faire.
Nous allons maintenant refermer le couvercle de notre bague jaune, telle les portes d'un musée que Pablo Picasso avait déjà bien recyclé. Donc ça, c'est pour ces cadeaux, c'est pour nous. Cadeau. Ah, merci Mandina. Merci beaucoup. Bon, donc on a un gage pour l'émission prochaine, on fabriquera un petit objet chacun avec notre... Non, ça va. Ouais, si, d'accord. Non, okay. C'est pas grave, on tourne ça sur ça. Allez, on enchaîne. Ok, donc on est content d'en avoir appris plus sur Pablo, j'allais dire. Pablo. Et notre ami désormais. Allez, on enchaîne sur. On passe au sport, après la culture, le sport. Comme quoi, cette émission est extrêmement complète. Alors, Elena, de quoi vas-tu nous parler cette semaine? Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter la savate boxe française, qui est un sport de combat. D'accord. Et pourquoi ce choix et en fait à qui est dédié? Voilà, alors pourquoi choisir la savate boxe française aujourd'hui? Donc, si vous avez envie de pratiquer un sport de combat par plaisir ou en compétition, la savate boxe française. S'adapte à tout le monde. D'accord. Même à moi, c'est-à-dire. Alors, les hommes. Même à Mondine. Les femmes, les enfants, et les adolescents. Le vilain petit canard. Les enfants, les adolescents, tout le monde y passe. C'est un sport qui va vous permettre de maintenir une forme physique et également de prendre du plaisir. Voilà. C'est quand même ce qu'on cherche quand on fait du sport en priorité. Voilà. Ah oui. Donc, un petit mot sur l'histoire de la savate boxe française. Donc, elle voit le jour au XVIIIe siècle. C'est un sport de combat de rue, à la base, qui, à force d'années, évolue sur une discipline très technique, avec ses règles particulières. Donc, c'est une boxe pied-point, où les coups sont portés uniquement en fait, avec la chaussure. C'est vraiment la particularité. Ah oui, d'où le nom en fait, j'allais te demander pourquoi ça va la boxe française. Okay. Exactement. Okay. Voilà. On appelle les combattants en savate boxe française les tireurs et les tireuses. C'est un petit peu particulier. C'est ça, enfin, on ne fera aucun commentaire. Voilà. Aucun. Donc, tous les coups doivent être portés avec la chaussure, comme je le disais précédemment, et ils doivent être également pivotés et armés. Donc, ce que nous verrons. Un petit peu plus tard, en démonstration avec Saturnin. Le cobaye. Voilà. Et donc, on peut frapper sur toutes les parties du corps. Sur toutes les parties du corps. Toutes les parties du corps. Donc, en pied, également dans le dos. Tu vois, je t'avais dit, on a bien fait de jouer. Également dans le dos, simplement, les poings sont interdits, les poings derrière la nuque, en fait. D'accord. Voilà. Sinon, on peut vraiment frapper partout. Évidemment, on évite les poings sensibles, hein. C'est les poitrines, hein, voilà. Ouais, mais on a le droit de taper dans le pubis, on a quand même le droit. On verra ça. Ah, c'est interdit. C'est interdit. Voilà, ça c'est des points interdits. Voilà. Donc, dans la salade boxe française, il y a 4 catégories. On peut faire du combat, de l'assaut, de la canne de savate et également de la savate forme. Voilà, donc je vais vous donner un petit peu quelques mots sur chacune d'elles. D'accord. Donc, le combat, donc il faut un minimum de grade du gant jaune. Donc le gant jaune, voilà, un grade de sa boxe française, pour participer en compétition. Donc les coups sont portés, et ça peut aller jusqu'au KO. D'accord. On cherche vraiment à aller jusqu'au KO. Voilà. J'ai hâte de voir cette démonstration. Merci beaucoup, voilà. C'est le plaisir. On vient ici. Donc après la deuxième... Voilà, après il y a l'assaut. Donc l'assaut, les coups ne sont pas portés, la puissance est interdite, c'est de la touche uniquement. Par contre, la vitesse et la précision sont de rigueur. Voilà, la canne de savate, donc c'est une pratique qui est beaucoup moins connue. Donc c'est la savate boxe française avec une canne. D'accord. Voilà. C'est pour les personnes d'un certain âge. Non, puisque comme je disais, donc, c'est un sport de rue à la base. Donc quand le port de l'épée a été interdit, en fait, ils se sont servis des parapluies, des cannes, etc. Voilà. Okay. Voilà. Et donc également donc la savate forme. La savate forme qui a beaucoup de succès depuis peu de temps là, puisque c'est une boxe dans le vide, sans opposition. Et en musique. Et donc sous forme de chorégraphie en musique, donc elle est vraiment très appréciée par les femmes. Voilà. Mais c'est pas la capoeira un peu, c'est pas pareil? Ah non. La capoeira c'est plus... La capoeira c'est un autre art. D'accord. D'ailleurs je crois qu'on en parlera dans une future émission. On en parlera dans une émission. Quelle profession! C'est ça, mais écoute, c'est un métier. Alors peut-être le mieux justement c'est qu'on aille voir, nous on a hâte de voir cette semaine. Ouais, non. Alors on y va en dessous. Sans avoir peur là. Allez-y les amis, allez vous équiper, on va découvrir ça tout ça. Je vais pas trop vite. Non, mais quand même, voilà. Alors, boxe française.
Donc, je vais vous présenter déjà le matériel indispensable pour pratiquer ce sport de combat. Donc, il y a les gants. En général, quand on commence la boxe française, on nous fournit les gants en club, mais c'est quand même mieux de les avoir perso parce que ça sent pas très bon. C'est vrai? Avec la transpiration, ça sent pas très bon. Et voilà, ils ont servi il y a peu de temps. C'est ça. Et donc c'est quand même plus hygiénique d'avoir ses propres gants. Il y a également donc indispensable le protège-dents. Voilà, parce que bon... Et tu mords dedans en fait. Voilà, alors ce protège-dents est assez particulier puisque moi je n'ai pas de dents. C'est un protège-dents qui a été fait par un dentiste pour le football américain. C'est fait sur mesure. On le moule, ouais. On doit le mouler voilà, quand on l'achète et donc il se colle parfaitement à notre dentition. Okay. D'accord. Alors, donc c'est un élément qui coûte vraiment pas cher. Les magasins de sport, donc vous en avez pour à peu près 4-5 euros. Voilà. Okay. Oui, c'est vraiment. Oui, c'est ça, voilà. C'est moins cher que les dents. Voilà, exactement. Donc on a les chaussures donc spécifiques à la boxe française. Donc ces chaussures montantes qui sont un petit peu dures devant. Mm-hmm. Elles ont servi, celle-là. D'accord. Voilà. Mondine, je t'en prie, fais-toi plaisir, écoute, rien dans le partage. Voilà, comme je vais vous montrer avec Saturnin, donc en boxe française, on utilise les chaussures et donc on vient piquer, voilà, ça s'appelle comme ça. Ça, tu vois, ça fait mal. Je ne te permets pas. Voilà. Ok, d'accord. Et également les protège-tibias, donc ça c'est vraiment pour éviter de faire mal aux autres. Puisque normalement, en boxe française, donc comme je l'ai expliqué précédemment, on doit faire des coups uniquement frapper avec la chaussure. Simplement, ça peut arriver qu'on soit hors distance et qu'on mette un coup de tibia donc pour éviter les blessures. Mmh. Dans ces cas-là, c'est pénalisé ou... C'est pénalisé en combat, effectivement. Okay. D'accord. Okay. Voilà, donc, alors, petite démonstration. Alors, ça tourne. C'est ça. Donc on a tiré au sort, hein, je vous explique un petit peu. Donc voilà, parce que Mandy et moi, on est très courageux, on a laissé ça tourner. Voilà. Voilà. Voilà, bah, je vais te mettre les protèges tibia pour aller. Allez oui, mets-moi les protèges tibia. J'aime quand tu mets les protèges tibia. Voilà. On va pas mettre en bas. Je vais sentir bon des mains après. Oui. Attention. Là, vous pouvez approcher, hein. C'est là que je deviens voilà. Je mets dans la peau de Mac Tyson, là. J'arrache les oreilles, moi. Attention. J'arrive ou je t'aide? Je veux bien. Je suis pas voilà. Un peu là. Voilà, donc je vais vous montrer rapidement, en fait, les coups principaux. Donc, comme je vous expliquais, ils doivent être tous pivotés et armés. C'est-à-dire qu'un coup de pied, comme il va arriver, on n'a pas le droit de faire ça. C'est interdit. Donc, on doit pivoter sur la jambe d'appui. Quand on met le coup, donc on pivote sur la jambe d'appui, on arme le genou et ensuite on frappe. Vas-y. Attends, hop, hop, et hop. Voilà, alors voilà, on voit bien qu'il n'a pas pivoté. Voilà, il a fait comme ça, comme ça, comme ça. Petite question, excusez-moi. Tu as dit, on arme le genou. Voilà. Et donc pour les gens qui nous regardent, on ne sait pas ce que ça veut dire avec Mandine, on était complètement perturbés. Alors, tout simplement, en fait, on va pivoter. On fait pas, voilà, ça et ça. C'est pas ça. D'accord. C'est, on pivote, on arme. Ça s'appelle comme ça, on arme. C'est-à-dire, on met bien le genou. Voilà. Pour pouvoir... Okay. Et après, on frappe. Comme pour les frappes enchâssées, comme ça, on ne peut pas faire une frappe enchâssée comme ça qui remonte. C'est interdit à le règlement. Donc, on doit armer donc le genou toujours, donc lever le genou et venir... Ok. Bonjour. Une autre petite question, j'ai vu que tu as effleuré un petit peu cette partie-là. Il y a des protections qui sont... Alors, il y a des protections donc, pour le pubis et pour la poitrine pour les femmes. Moi, personnellement, je les mets à chaque entraînement. Pour les combats, c'est obligatoire. D'accord. Maintenant, c'est assez imposant quand on bouge un petit peu. Donc voilà, mais il vaut mieux quand même. D'accord, je t'ai sauvé. Parce que même pour les filles, ça peut faire très mal, parce qu'on a les chaussures, donc ça peut faire très très mal quand même, un coup interdit. Voilà. Oui. Donc, on utilise également les poings. Hein. Je vous dis, c'est une boxe pied-poing. Donc, la difficulté dans cette boxe, c'est d'arriver à distance. C'est-à-dire de ne pas mettre les tibias, comme on est interdit. On doit frapper qu'avec le plat de la chaussure ou la pointe de la chaussure. Donc, quand on vient et qu'on est au poing, comme ça, qu'on travaille au poing, on ne peut pas faire ça. Donc, on doit se remettre à distance et venir frapper. Voilà. Voilà. C'est la particularité.
C'est la particularité de la boxe française, voilà, qu'on ne trouve dans aucun autre sport de combat. Voilà. Donc, petite démonstration, t'as une petite... Ouais, moi je vais le faire. Pas. Allez, allez, va, va, va. Allez, vas-y, lâche-toi. Voilà. 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 Voilà, et donc là, on est très content avec Mandine de ne pas avoir été choisie par la démo, même si c'était très bien. Merci. On retourne à moi, parce que je crois que c'est pas fini. Tu veux nous donner quelques conseils voilà, pratiques? Allez, on est parti. Supplémentaire. C'est parti. Énorme. Énorme. Ça va, Saturnin? Moi, ça m'a trompé. Ça fait trop mal. Non, non, pas du tout. Tout va bien. Alors, on y va, les gars. Alors, on conclut, Inéla. Voilà, alors, donc, cette pratique, les enfants peuvent la pratiquer à partir de 6 ans. D'accord. Donc, notamment avec le projet de la mairie de Tarbes, l'initiation au sport de combat, qui se déroule tous les mercredis à 14h au gymnase de la Providence. Kevin et Martial, deux éducateurs rattachés à la mairie de Tarbes, vous accueilleront là-bas également. Ils s'occupent des cours ados. D'accord. Voilà. Pour les adultes, ça se passe à la salle Solferino à Tarbes. Donc tous les lundis 18h, mercredi 20h et jeudi 19h15. Okay. Voilà, donc je vous laisse aller découvrir ce sport. Voilà, et puis surtout prenez du plaisir. Merci beaucoup, Elena. Vous retrouverez toutes les infos pratiques que vous a données, Elena, sur notre site avec les horaires, effectivement, des cours qui sont dispensés. Bah écoutez, c'est déjà la fin, les amis. Oh. Et oui, j'ai un petit peu envie de dire que nous sommes dans le désespoir le plus total, mais qu'on se retrouve la semaine prochaine avec une autre équipe de chroniqueurs. Merci à tous les trois, bonne merci semaine. Steve. Merci. À la semaine prochaine. Salut.